Vincent ? Heureusement que t'es là ! Et qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Jacinthe ! Bon, ne me le dis pas, elle t'a plaqué. Et tu sais ce qu'elle m'a dit ? Ne me le dis pas, elle a besoin de réfléchir. C'est ça. Et tu sais ce que je vais faire ? Non, ne me le dis pas, tu vas rentrer chez toi et me foutre la paix. Bon, je vais rester ici, le temps de trouver une solution. Ah bon ? Et ça. Ça te dérange pas ? Ça se trouve en combien de temps une solution ? En tout cas, faudrait surtout pas qu'elle pense que je reste chez moi à attendre son appel, alors je reste chez toi. D'accord. Et à ce que je vois, il faudrait surtout pas qu'elle pense que tu manges tes propres chips. J'ai un plan, écoute ça. Un plan ? Premièrement, si elle me laisse un message, crac, je ne retourne pas son appel. Deuxièmement, j'ai commencé à faire courir la rumeur que j'ai rencontré une nouvelle nana. Et troisièmement, je vais aller marcher sur avec ma cousine et je vais faire semblant de ne même pas la voir. Et quatrièmement, je... Non, tu devrais arrêter ce manège ridicule. Ce n'est pas un manège ridicule. Premièrement, ça s'est passé quand ? Ce matin. Aïe. Mais tu vois, hier, elle voulait que j'aille l'aider à déplacer son buffet pour récupérer sa boucle d'oreille. Ouais. Et tout à coup, pouf, elle a plus besoin que j'aille l'aider à déplacer son buffet. Oh, il y a peut-être un mec là-dessous. Non, c'est une boucle d'oreille. Non, dans sa vie, je veux dire. Tu crois ? Non, excuse-moi, j'ai sur mon tort. Et ben, il me reste plus qu'une chose à faire. Mais qu'est-ce que... Non, donne-moi ce revolver. Non, c'est pas un revolver, c'est un briquet, regarde. Oh putain, tu m'as fait peur. Bon, bah adieu. Mais qu'est-ce que... Donne-moi ce bidon d'essence. Je sais plus quoi faire, moi. Oh Vincent, allez. Pourquoi tu n'écris pas une lettre, tiens ? Oui, bien sûr, mais tu sais. Mais fais pas semblant d'avoir compris ce que je viens de dire. D'accord, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Tiens, je peux te l'écrire ta lettre. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Je voudrais lui dire plein de choses, mais est-ce que ça va l'intéresser ? Je suis pas sûr. Bon, attends, tiens, on va essayer quelque chose. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ? Aux Galeries Lafayette, cette semaine, tout est en réduction de 50%, mais c'est pas ce que je veux lui dire. Non, mais au moins, ça va l'intéresser. Non, je voudrais pouvoir lui dire un truc comme... Oui. J'ai été con, je le regrette, ouais. Mais pas avec ces mots-là, tu comprends ? D'accord. J'ai mon orgueil quand même, là. Alors, que dirais-tu de... Il est possible que j'eusse été con, si c'est le cas, je le regrette. Non, c'est pareil, c'est comme si je disais que je suis con. Ah bon ? Il faut pas être... Bon, dans ce cas, que dirais-tu de... Tu sais, je regrette. Non, pas je regrette aussi directement. C'est, okay. C'est comme ouais. Si j'ai eu tort, tu comprends ? Ouais, je comprends. Alors que dirais-tu de. Tu as peut-être l'impression que je suis con. Ouais, mais là encore, ça sous-entend que je suis con, tu vois. Si c'est le cas, je veux bien esquisser un regret. Non, encore. C'est comme lui dire qu'il est possible que j'ai été con, là. Ouais, il est possible. C'est comme lui dire, je suis con. Bon, écoute, que dirais-tu de. Il peut arriver à toute personne un jour de donner l'impression d'être con. Non, tu vois encore, non, tu vois encore. Qu'est-ce c'est qu'il y a ? Comme admettre que je suis con, là. Okay. Utilise pas le mot con ni regret. Ok, alors que dirais-tu de. Madame Bichon a repeint la porte de son garage. Ah, tu vois, déjà, on s'approche. Alors, je le sauvegarde ? Ouais, pour l'idée. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, au juste ? Oh, c'est tellement stupide. Ouais, tu sais, les conversations anodines qui dégénèrent. Ah, ça arrive souvent. Bah, on était assis sur un banc, et puis... Mm-hmm. Il est passé une voiture. D'accord. Et elle dit, regarde la belle voiture bleue. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai simplement dit, mais elle est pas bleue, elle est verte. Bon. Mais mon vieux, elle m'a traité d'ordure, elle m'a balancé une de ses claques. Et t'es sûr que tu m'as donné tous les détails de la conversation ? Non, mais parce que là, je voulais pas faire trop long. Je suppose que la discussion s'est enflammée, que tu lui as dit quelques trucs, toi aussi. Ouais, bah, c'est... Hein ? On reçoit pas des claques comme ça gratuitement. Oh, mais c'est pas... Ça se fait à deux, une engueulade. Ouais, mais je vais pas... Tu te serais pas emporté un petit peu ? Hein ? J'irais même jusqu'à parier que t'es fâché contre toi-même. Oh non, pas du tout. Oh. Mais si je tenais l'enfoiré qui conduisait cette putain de bagnole.